Côté, nous utiliser plusieurs technologies de production des dollars ou bien centrales ou bien des groupes, des petits groupes éoliens et cap marché. Moi, j'ai généré 24 kilowatts énergie. Évidemment, l'orgue vitesse vent et l'orgue vitesse assez intéressante pour vent. Il va tout en bord deux sources de production qui c'est énergie solaire et énergie éolienne. Évidemment, au toujours besoin de backup, nous avons un groupe diesel là qui a une capacité pense, qui dépasse 100 kilowatts. Qui là pour alimenter et pour alimenter production et donc une quatrième source d'énergie qui c'est côté de stocker énergie à pendant journée en quantité d'énergie dans batterie hein, que ce soit batterie qui énergie saute dans vent ou énergie dans soleil là si automatiquement le soir côté de pas gain vent ou pas la grand pile ou pas gain soleil pas la grand pile vent pour capable injecter et en dans réseau même bah, c'est important pour nous préciser que mettre énergie dans pays son bail extrêmement important parce qu'en fait dans Caraïbes là il y a 9 millions de monde qui n'a pas accès à courant pour toute Caraïbes là. Et en Haïti seulement, c'est 7 millions dans 9 millions ça qui existent. Donc nous voyons son pays qui n'est pas électrifié du tout. Donc c'est un défi extrêmement important, arriver à porter énergie à 7 millions de personnes. Et pour nous porter énergie à 7 millions de personnes, nous disons que nous porter énergie à nous plan électrification qui a 3 axes à donner. Un premier axe, c'est réparation 16 grands réseaux qui est dans 16 grandes villes en dans pays. Tout le monde ville ça, ou partir depuis Fort Liberté au Cap. Port de paix ou descendre Gonaïves Saint-Marc ou passer dans région métropolitaine zone métropolitaine nan, ou tomber et sortir dans Léogane et ou prendre Jacques Mel ou prendre petit Gouave ou prendre grand Gouave et pour tomber monter Jérémy donc on a préparé tout grand réseau ça là on prépare grand réseau ça on a interconnecté et grand réseau donc ça c'est premier axe ça c'est créer un embryon de réseau national mais j'en structure pays en géographiquement c'est que tout moun pas sous parcours grand réseau national ça. Donc gen ville qui très loin de réseau national là, il pas intéressant pour connecter ville ça ou pour nous créer ça dans des petits réseaux, des micro réseaux, des mini réseaux et ça c'est un exemple de micro réseau qui utilise énergie renouvelable. L'infin alimenter micro réseau nous quand même gagner 400 à 300 000 maisons qui toujours pas éligible pas en dans micro réseau. Donc là nous dit que dans cas ça nous pral nous pouvons alimenter, nous pouvons faire des systèmes au réseau, des systèmes individuels. Évidemment, je suis peut-être à l'heure, je vais reprendre, parce que je pense que peut-être samedi à pas de fin, je vais reprendre le chiffre. Nous gagnons 300 à 400 000 maisons qui sont dans un niveau pour nous mettre en place micro-réseau et nous gagnons 600 à 500 000 pour nous mettre des systèmes isolés. Donc, c'est une stratégie à trois axes, réseau national, micro-réseau et système au réseau qui s'est émetté système énergie dans la zone isolée. Micro-réseau ça a une capacité pour le servir combien de familles? Et micro-réseau ça nous va l'alimenter et tout de suite 500 et moun là. Mais et ça qui est intéressant c'est que au fur et à mesure que demande là augmenter, on va boire ça là, nous quitter plusieurs nous design système là pour les son système modulable, nous va ajouter inverteur. Nous va ajouter inverteur en plus, nous va ajouter panneau solaire en plus. Après 2-3 ans, donc on prend l'augmentation de demande et nous-mêmes nous parer pour nous extendre, pour nous réhabiliter, pour nous ajouter des groupes supplémentaires, des panneaux solaires supplémentaires, des systèmes éoliens supplémentaires pour nous capables de qu'aimer demande. Il y a un bail qui est extrêmement important pour nous dire nos réseaux, nos micro-réseaux, il y a trois grandes parties. Il y a une partie production, il y a une partie distribution, c'est-à-dire le transport, l'énergie à produire, la forme pour la ville. On a un réseau de distribution en réhabilité déjà et on a travaillé pour nous faire branchement. Donc nous voulons tout le monde comprendre que nous avons utilisé un compteur
qui est extrêmement content de passer un compteur prépayé, un compteur intelligent. Donc, on va installer la caille Mounio, machin fait radiofréquence. Compteur ça peut installer la caille Mounio et Mounio a une capacité pour y charger, pour y mettre comme ce compteur n'importe qui l'œuvre. Et comme ça, traduit en kilowattheure. Là, on mettait par exemple, et 20 gouttes, 15 gouttes. Qui moyen? Et nous gagnons. Mon nom était 15 gouttes ou bien 20 gouttes, automatiquement la prenait les gens. On a bien plusieurs bureaux centrales qui sont bureaux compagnie à côté de mon égard chez Unité. En même temps aussi, on a bien plusieurs revendeurs dans la ville là. C'est même avec Papa Dap, mon nom est tout le monde a revendeur d'électricité à identifier. Il y a bien tout le monde a prenait et il y a bien capacité en fait pour être capable de venir et acheter énergie, mettre quoi sous contrat. Et nous faisons tout, ça est extrêmement important. Mais évidemment, nous parlons d'énergie, énergie c'est kilowattheure. Donc ça dit kilowattheure énergie pour aller gagner en fait un prix. Et nous allons gagner pour mettre une quantité comme cap converti en termes de kilowattheure, que l'énergie est disponible. C'est très important. L'énergie ne sera pas gratuite. L'énergie sera disponible. Qu'on a ces capacités de paiement pour faire mon gain la caillou. Nous avons gardé tout ça qui est installé là, nous avons gardé des bandes de transformateurs, nous avons gardé des panneaux solaires, nous avons gardé inverteur solaire, on a des batteries, tout ça coûte quoi. Donc énergie, ce bail qui coûte quoi pour faire. Donc par conséquent, comme il coûte quoi, donc il faut qu'on le paye pour faire. Parce que là, d'ici 10 jours, 2 semaines, tout bail est supposé parer. Mais pas oublier, nous pourrons faire un genre pour nous inviter mon venir installer le compteur. Parce que l'énergie est disponible au niveau central de production, qu'on a au niveau de la distribution. Faut mon nom, vienne demander compteur et me pense que et me parle avec bureau dit la pouvri pour capable bon mon nom faire demande compteur automatiquement va installer pour eux des compteurs intelligents, compteurs prépayé et ça intéressant pour nous dire tout les cloud based. Donc nous connecter là avec un système cloud et quand vous j'aille là côté automatiquement mon États-Unis qui compte numéro compteur ici a capable mettre quoi sur compteur pour. Donc c'est vraiment intéressant sur technologie innovante. Nous pas dit tout, c'est que nous prenons exemple, nous faisons expérience sur le notre école secondaire parce que toute maison là n'est pas électrifiée. Nous choisissons trois charges critiques nous là, trois côtés pour mettre courant indépendant, nous mettons courant dans l'hôpital là, dans commissariat et dans l'école, trois côtés ça même si pas gagné et même si ça là un problème là, il y a deux trois dommages qu'il y a avec des bails naturels automatiquement et trois charges critiques ça va alimenter pourquoi. Qui est important, nous faisons pas nous ça pour démontable. Nous apprenons le cyclone Mathieu. Donc avant le cyclone de passer, son cyclone n'est pas arrivé, son pas connu. Nous sommes capables. Le gouvernement, il a toujours pensé à commencer en l'air, mais quand il y a si nous venons, il a commencé en bas ici, nous avons son changement qui fait. Et il est très important pour nous contents. En termes de contribution pour nous arriver à conserver ça, qui ça nous va faire en tant que citoyens? Bon, on a toujours été là pour nous capables. Bah, si toutefois tu as quelques petits problèmes, et puis pour nous-mêmes, nous pouvons et appuie nous et pour nous capable parce que courant lui-même c'est pour tout le monde et si des problèmes entre monde avec monde pas quoi courant pas aller là mais nous prêts pour nous contribuer pour nous capable toujours gagner courant. Oui, nous prêts pour nous contribuer parce que faut que nous contribuer, c'est un avancement la vie pour commune là. Moi je félicite le président pour travail parce que depuis la campagne il était toujours parlé du côté puis bas la descend là et vraiment nous elle fait prêt OK et ça a été dit nous, même si c'est pas 100% mais il commencé. Il y a quelques balades, il te dit. Non. La valeur qu'a fait la commune là, c'est une réalité pour la commune et pour le président qui a fait bon genre de travail ça et tout. Mais côté que nous-mêmes, nous n'avons pas actuellement fini satisfait, c'est parce que le courant n'a pas fini installé dans toute la commune net, nous-mêmes pour nous capables d'utiliser la caille. Mais nous sommes prêts pour nous payer le courant et pour nous capables de venir. Oui, nous sommes prêts parce que participation bien président ba nous là en tant que procédé de courant nous pouvons même tout l'enlève que nous pour une payer la son satisfaction là utiliser la caille nous tout c'est notre utilisation là nous la caille nous pour capable payer tout. Moi on commencé bien petit signal qui commencé ba donc c'est ça que moi on commencé à marcher un peu bien mais pour moi même il va finir bien là finir bien c'est là que toute ville là alimentée et puis tout le monde une possibilité pour au moins pour la caille. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous montrer.
J'ai dit dans ma décembre, j'ai dit 20 mois pour nous arriver 19 mois. Et nous travaillons d'arrache-pied pour que dans 19 mois, pour le pays haïtien, les repassons interrupteurs de la carrière, pour ne pas dire, ben nous signons pour eux. Mais c'est pour passer pour nous pour la carrière. Nous avons fait la de tout pour nous payer courant. Pour courant, tout le monde connaît, ça nous est là. Ce n'est pas des bagailles, ce n'est pas la manne qui sous dans ciel là tombé. Sans pile. Chef, faut qu'il fait. D'ailleurs, Van Clair, ça là, c'est partenariat public-privé, c'est pas l'État, c'est pas quoi l'État là. C'est pour tout le monde clair dans ça. Le système qui est installé là, c'est pour nous clair, pour nous connaître que c'est des sociétés anonymes, notre tête ensemble, ça c'est son premier modèle. Nous faisons projet pilote, mais je nous dis là, appel à moi, on ressource. T'as coup d'accord dit, ouais, non, mais à guider, nous on prend de l'eau à la velle. Courant, c'est tout l'argent dépensé pour faire courant. Moun, pour jouer courant, il faut payer courant. Tout le monde n'a pas payé pour jouer courant, mais songez, nous tous, nous là pour nous payer courant. Parce que si nous ne payons pas pour jouer, je nous dis sur 27 750 km² de pays, nous ne pouvons pas mettre courant dans tout le pays. Merci. Public stipulé dans la loi de janvier 2014. Nous profitons pour féliciter le directeur du cabinet du président, le ministre Wilson Lalo, pour son intérêt manifesté à cette initiative. Nos remerciements vont aussi aux responsables des partis politiques pour leur collaboration et participation aux trois journées de travaux en atelier et leurs conseils tant précieux qui ont contribué au succès de la démarche. Monsieur le ministre, aujourd'hui, certainement vous représentez le Premier ministre, c'est le moment de vous remercier et le gouvernement de vous représenter pour les dispositions prises afin de mettre en application les recommandations du rapport. Par ce premier acte significatif qui est l'émission politique suivant les premières recommandations du rapport, l'institutionnalisation des partis politiques démarre aujourd'hui. Et je veux en particulier remercier le ministre de l'Intérieur qui a toujours participé dans les différentes rencontres et certainement le ministre de la Planification et pour les dispositions prises afin de désaffecter les fonds votés au Parlement pour les affecter et dans le cadre de cette démarche. Certains acteurs vont jusqu'à émettre des conclusions qui peuvent être jugées simplistes, comme par exemple on n'a plus besoin de partis politiques en Haïti. Les politiciens ont échoué. Pas d'idéologie, pas de programme, etc. Comment construire une société haïtienne moderne sans les partis politiques? Pour ce chercheur, Géraldo Saint-Armand, dans un texte publié, ne s'élevons pas au-dessus de cet ordre social, envie d'être de véritables vecteurs de participation, les partis politiques haïtiens sont identifiés de les masses. C'est un peu dur de parler de cette façon des partis politiques. Cependant, partant de toutes ces considérations, la pérennité de la démocratie haïtienne passe par les partis politiques structurés, institutionnalisés, financés par l'État, entre autres, donc des institutions politiques fortes.
Avec le financement de l'État, on peut s'attendre à deux résultats concrets. Un, la démocratie commencerait à l'intérieur même des partis politiques, car les membres réclameraient régulièrement des congrès statutaires. La formation, la présence du parti dans les zones, dans les différentes zones du pays, et l'expérimentation politique pour accéder à la direction du parti. Donc la démocratie à l'intérieur des partis politiques. Deux, les partis se retrouvant dans l'obligation de se structurer à travers le pays et recruter un grand nombre de membres. Pour conclure, Daniel Zovato écrit dans l'introduction du livre « Les partis politiques de la construction de la démocratie en Haïti ». Il dit « Pilier de toute démocratie, les partis politiques sont l'expression de la diversité des idées qui traversent et construisent la société. Ils se situent à l'interface entre les citoyens, citoyennes et l'État, articulant les demandes des différents secteurs sociaux afin de les inscrire au cœur des programmes et politiques publiques qui sont véhiculés à travers leurs élus. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'affirmer que nos partis politiques peuvent jouer pleinement ce rôle. Tout le monde dirait non. Mais avec la mise en application de la loi de janvier 2014 et l'application des recommandations du rapport du COSI, je suis convaincu que Haïti fera ce premier pas important dans le renforcement de la démocratie. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, c'est pour moi la portée historique de la cérémonie du jour. À l'initiative du président de la République, nationalisation des partis politiques. À cet effet, il a été mis en place un comité exclusivement formé de partis ayant participé aux dernières élections. Après 2 mois de travail et de réflexion, le dit comité a proposé à l'exécutif un document prenant en compte les diverses facettes de la question, conformément à la loi du 16 janvier 2014 sur le financement public des partis politiques disposant d'au moins d'un élu sur une structure devant plancher sur le suivi de leur institutionnalisation. L'administration Moïse Lafontaine, se voulant respectueuse de la Constitution, a prévu dans la loi de finances 2017-2018 les fonds nécessaires pour l'application de la dite loi. En ce sens, elle vient procéder aujourd'hui symboliquement à la remise des chèques du Trésor public aux représentants des partis politiques présents. Dorénavant, et sur une base mensuelle, l'État haïtien interviendra pour contribuer au fonctionnement de tous les partis politiques répondant aux exigences de la loi. Par ailleurs, il sera créé, et le représentant du COSFIP l'a souligné tout à l'heure, il sera créé sous peu au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, l'entité prévue dénommée Centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques, dont le sigle sera CRIP. Cette structure aura pour mission de promouvoir et de faciliter l'institutionnalisation de la vie politique. Cette décision de l'exécutif haïtien vise à renforcer les partis politiques qui constituent l'épine dorsale de notre jeune démocratie. Ainsi sera aussi renforcé l'état de droit, car l'état de droit ne peut provenir que d'une vie politique assainie, renforcée et répondant aux normes et critères de fonctionnement d'une nation démocratique. Aujourd'hui est un jour historique pour notre système démocratique. Désormais, grâce à ce financement public,
les partis politiques qui sont les principaux animateurs de la vie politique en Haïti pourront mieux jouer leur rôle de relais institutionnel entre la société civile et les instances qui prennent et appliquent les décisions. Qu'il me soit permis de souligner au nom du Premier ministre et à l'attention de chaque citoyen et de chaque citoyenne que l'implémentation de la loi du 16 janvier 2014 n'implique nullement une allégeance des partis politiques au gouvernement en place. Elle vise essentiellement le renforcement et la structuration de tous les partis légalement aptes à recevoir ces fonds des euros publics afin de leur permettre de participer de façon équitable à la vie démocratique de notre pays. Il est opportun de rappeler que la mise à disposition de ces fonds qui proviennent des contribuables haïtiens au service des partis politiques que vous représentez requiert également le sens de responsabilité de toutes les organisations politiques. Car conformément aux prescrits de la loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, ces derniers doivent procéder à la fin de chaque exercice budgétaire à une reddition de comptes à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour fin de contrôle. Ces fonds ne peuvent être en aucun cas utilisés à des fins autres que celles prévues par la législation qui, dans son article 49, prévoit des sanctions contre les contrevenants allant de l'avertissement à la suspension provisoire de tout parti politique qui aurait été reconnu coupable d'une preuve raisonnable de partis politiques bien structurés pouvant contribuer efficacement à l'institutionnalisation et à la moralisation de la vie politique de notre pays. Et j'ajouterai que les partis politiques soient idéalement implantés sur l'ensemble du territoire pour éviter toute tentation régionaliste. Je félicite donc le représentant du COSFIP qui se trouve à côté de moi pour le travail accompli à côté de l'ensemble des participants à ce forum. Et j'invite les organisations bénéficiaires de faire un usage responsable de ces subventions qui proviennent des contribuables haïtiens. Le gouvernement Moïse Lafontaine réitère, confirme donc ici son engagement de poursuivre dans la voie de l'institutionnalisation de la vie publique et du renforcement du comportement citoyen. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement... qui sont encore là ce matin pour recevoir symboliquement le chèque. Je ne parle pas en mon nom, je parle au nom du parti. Le parti est bel et bien conscient que la personne qui est responsable d'autoriser les décaissements au niveau du compte du parti, si jamais elle voudrait se porter candidat, aura besoin d'échanges. Mais ce n'est pas moi qui suis venu prendre le chèque qui aurait besoin d'échanges. Je fais la précision parce que le parti... C'est une institution, c'est pas Jean-Chemin. Il y a une entité administrative qui gère les activités. On est conscient, on a fêté finement la loi. Et le parti Honoré-Haïti qui est un parti voulant s'orienter vers la jeunesse, mon avenir est devant moi. On est conscient, on va faire bon usage de cet argent pour le bien du parti. Et question de faire, de décentraliser le débat politique qui est à propos dans la vie du pays. Question d'inviter la population à participer et à s'approprier du débat politique. Merci. Donc, en 2017,
Le plan stratégique, ça, il te gagne un paquet exactement implémenté, d'accord, c'est pas implémenté, réaliser tout point que nous avons comme priorité, mais cependant, nous venons insérer et ça qui n'a pas réalisé pendant l'exercice fiscal 2017-2018, là, dans un plan stratégique 2017-2022 que nous gagnons, parce que le plan stratégique 2012-2017 là, c'est prend fin depuis le 30 septembre dernier. Avec plan ça, nous gagnons prévision de recettes. Et nous connaissons qui ça nous plus importance dans le plan stratégique ça, c'est de la question de la technologie. C'est-à-dire c'est arrivé informatisé, d'accord, presque tout site de la DGI. Mais nous connaissons un plan quinquennalité, nous pas capable de gagner le temps pour nous être capable d'arriver informatiser la DGI dans son intégralité. Mais je veux dire, avec plan stratégique 2017-2022, nous allons être jusqu'en 2020 pour déjà arriver totalement informatisé sur tout le territoire. Et je suis capable de dire nous, non seulement pour eux, direction départementale, également les alliés. Les alliés, tant que nous dit nous, c'est la plus petite partie et qui puisse exister, la plus petite partie administrative qui puisse exister à la DGI. C'est-à-dire c'est côté qui n'a pas une potentialité fiscale trop élevée, donc nous mettons une agence locale des impôts, là, mais sigle c'est Ali. Donc, n'a privé informatisé, d'accord, et tout ça. Yo. Donc, DGI, le ça, nous parlons de plan, nous parlons de système RMS 7, ce qui est le Revenue Management System, qui va permettre de DGI arriver interconnecté, d'accord, à travers la République. Le ça, beaucoup, nous parlons beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient également, d'accord, dans nos actions, dans nos opérations. Donc, il faut nous dire que c'est un exploit. Donc, pour l'exercice année, nous avons une prévision de recettes prévision initiale de 33 milliards de gourdes. Mais nous connaissons avec question de budget rectificatif, eh bien, il a été parcellé à 35 milliards. Malgré ça, nous atteignons une prévision ça avec un écart positif, 33 milliards, nous faisons plus de 36 milliards. C'est-à-dire, c'est pas blague, on n'a pas eu de milliards, on n'a pas eu de millions, d'accord? Si nous avons fait plus de 36 milliards sur 33 milliards, malgré le passage à des l'ouragan Mathieu, nous connaissons qui problème ça a été posé. Donc, eh bien, grâce à l'intelligence, nous, grâce à et dévouement nous et le sens de leadership nous tous également avec tous les employés de la DGI toutes couches confondues qui mettent main en patte là et que nous vivons et à telle prévision ça et nous capable de dire nous pour l'exercice fiscal 2017-2018 étant donné que nous avons fait toute ça nous avons fait comme et recette pour l'exercice 5 milliards de gourdes pour l'exercice ça mais nous avons même temps de budget rectificatif. Avec exigence temps fait nous. Avec, nous connaissons graisse cochon, cap cuit cochon jusqu'à présent. Gouvernement ou une nécessité pour nous collecter beaucoup plus de recettes. Et bien, écoutez, pas la voilà, ce n'est pas question de 41 milliards encore, c'est 50 milliards de gouttes que nous baillons tête nous pour nous collecter pendant l'exercice fiscal. Avec qui ça va collecter? Contribuables qui habituent à payer déjà, yo, il n'y a pas besoin de peur. Ce n'est pas là qu'ils nous chercher comme ça. Mais cependant, ils ne vont pas le payer plus bien toujours que les gens ont payer. Ils ne vont pas le payer plus bien toujours, qui ça me dit par là? Ils ne vont pas le prendre disposition pour essayer, ouais, dans quelle mesure ils sont capables de faire vraie déclaration pour le faire. Pour essayer. Parce que l'argent de l'État, nous là pour collecter l'argent de l'État, pour nous mettre à la disposition de l'État, pour l'État capable d'exécuter pour gel. Et je dis, c'est sous graisse cochon pour nous compter. Parce que juste dans le moment où on a parlé là, je ne crois pas qu'il y a une question de communauté internationale qui va en goud, qui va en goud dans l'économie. C'est avec l'argent que nous collectons déjà. Et il faut me dire tout, pour le premier trimestre de l'exercice fiscal, nous connaissons que sous prévision, nous allons nous chercher éclater prévision. Nous avons prévision globale, mais nous allons nous éclater. Non seulement nous ne faisons pas mois, nous ne faisons pas trimestre. Pour le premier trimestre de l'exercice, nous avons gagné une prévision de 10,029 milliards de gourdes. Et bien, il faut me dire, nous, nous avons collecté plus de 11,600 milliards de gourdes. D'accord, pour l'exercice-là. Comme d'habitude, nous toujours arrivé à péter plafond. Comme d'habitude, nous toujours avons de très bons résultats. Et il faut me dire que dans ce sens, nous avons dit que c'est guerrier.
c'est guerrier noyé, notre travail pour nous bailler beaucoup plus. Et je dis, nous prenons, nous ciblons l'autre secteur qui n'est pas exploité, pas fiscalisé pour nous chercher comme ça. C'est bien du domaine privé de l'État. Tout le monde qui a bien l'État dans la main, va exploiter. Tout le monde qui a terrain l'État dans la main, va exploiter. Tant dans la zone métropolitaine que dans les villes de province, et bien, on a marché vers Mounsaï. Parce que, comme il y a un bagaille qui dit que l'impôt est curable, c'est pas nous, et pas chita pour nous chita, nous croiser pieds, nous derrière bureau, nous pour nous connaître que, ou c'est à venir, nous prenons le chercher. Tout le monde qui a terrain, ça a eu, yo bien 10-15 ans pas payer droit de fermage, et bien aujourd'hui nous prenons arriver sous moun sa yo, nous prenons arpenter ba yo, nous prenons ba moun sa au papier, nous va gien plan d'arpentage. C'est que si vous avez un terrain en main ou t'as exploité, vous avez besoin de prendre chance pour aller faire faux papier pour dire que c'est pour les acheter ou d'acheter, et que nous gien cadastre nous prenons côté, nous prenons chercher faire moun sa yo rentrer directement dans système nous pour nous reconnaître effectivement comme des fermes de l'État. Et moun parti dans question négociation qui toujours paraît difficile. Si tout côté nous gagnons, nous gagnons bloc APH là qui gagne et qui gagne au niveau membre qui vraiment élevé qui passe 70 et côté yon réclamé et des commissions qui équivalent à nombre de membres yon gagne inscrit ensemble avec yon. Et nous tout là, nous te connaissons parce que par cacher l'ombre de la donne, nous te connaissons, nous te réclamé et 14 commissions sous 20 et te gen 6 qui te rete pour groupe minoritaire. Comme nous-mêmes, moi-même, c'est président et bloc Vérité européenne et allié qui vient en deuxième position, qui a 17 députés. Et ensuite, l'autre monde. Nous-mêmes, nous te réclamé et 3 commissions sur 6 parce que nous gagnons et 17 membres. Mais tu as gagné des négociations qui sont engagées à travers le week-end. Et je pense que quoi que gagne en tant qu'il peut finir jouer et dans l'autre débloqué qui c'est GPEP et puis GPS. Donc, gagne en tant qu'il joue et m'espérer. Et alors, nous avons déjà une entente sur ça, et pas réclamé seulement, nous avons déjà une entente qui c'est Frontalier et Défense, et ensuite nous avons gagné Éducation et puis Tourisme. Donc, je pense que ça en fait 3, parce que Frontalier et Défense, c'est une seule commission. Donc, je pense que pour nous-mêmes, nous sommes déjà tombés d'accord. Celle que nous avons pour nous faire, nous connaissons la composition bureau, ce n'est pas un seul bloc qui fait qui compose le bureau. Donc, si OPL Vérité et Allié gagne président, donc, ou bien nous avons gagné secrétaire rapporteur ou bien vice-président. Donc, l'autre bloc là, l'autre bloc qui a gagné pour vous voyez, il y a un membre dans le bureau. Donc, ce travail, ça, cap fait, nous gagnons pour nous finaliser et puis de l'ECDV pour nous gagner continuité de séance. Pourquoi la commission prête là pour l'autre Pourquoi la commission prête? Et je ne suis pas fini parce que je ne vais pas toutes les commissions au parquet et je ne vais pas répondre pour eux. Mais quand vous j'aime dire, je pense que je vais être quoi, gagner en tant que rapporteur ou bien vice-président qui a mis le nom. C'est pour ça que nous, même tout, nous avons pour nous voyer et vice-président ou bien secrétaire rapporteur dans la commission de bloc. Alap gen yon misyon pou l proteje, sekirize tout espas ke gouvernement haïtien deklare air protege. A l'échelle nationale, nan minute m'ap pale avèk wa,
nous gagnons 25 aires protégées qui déclarées officiellement. C'est-à-dire, qui ont arrêté présidentiel qui prend, qui décrète les zones sahéliennes aires protégées, qui délimite les zones sahéliennes. Parmi les zones sahéliennes, nous sommes capables de citer Forêt des Pins, unité 1, Forêt des Pins, unité 2, nous avons cité Makaya, nous sommes capables de citer Canapé Vert, nous sommes capables de citer Pèlerin, nous sommes capables de citer Parc des Trois Baies, qui est dans l'Odès, nous sommes capables de citer Citadelle, complexe Citadelle La Ferrière, au Cap, pour ne citer ça seulement. Ensuite, pour qui en attente pour déclarer air protégé. Mais cependant, avec la création du BESAP, qui c'est Brigade de sécurité des aires protégées, nous avons une juridiction sur tout espace en dedans pays hein, qui a un objet quelconque à protéger. Par exemple, mon Akadri, mon hôpital, deux zones sahéliennes qui sont considérées comme deux barrières de protection pour bassin Port-au-Prince, nous avons une mission sur eux pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous assurer nous que des ordres pas fait. Mais pas pour nous, nous avons en toute mission pour nous sécuriser l'espace sahélien, mais nous avons une mission pour nous faire promotion, pour nous protéger, ça nourrit l'eau, la biodiversité, c'est-à-dire la vie en général. Donc, ça fait que nous abîmons. Mais nous avons un objectif ambitieux pour nous atteindre. C'est l'objectif que l'État haïtien, côté l'État haïtien, prend engagement à travers COP21 et dans le congrès qui était fait à Paris. Côté, nous avons obligation d'ici nous gagner environ 6% du territoire là qui déclare, qui déjà décrété air protégé. Nous n'avons pas qu'un effort pour nous faire pour d'ici 2020 pour nous sortir, nous bâtir nous comme objectif à travers COP21. Le ministère de l'Environnement prend une décision côté, par exemple, pour mon Akadri. Nous interdit jusqu'à nouvel ordre l'exploitation sable dans mon Akadri et après de ça qui est présent à travers la brigade de sécurité des aires protégées. Donc, côté que nous fermons carrière ça et nous maintenons décision ça conformément avec volonté de toute autorité dans le plus haut niveau dans l'État. Et n'attendons une réunion qui va venir avec le ministère des Travaux publics, Bureau des Mines, le ministère de l'Environnement, l'Agence nationale des aires protégées pour décider qui côté est capable et n'est-ce pas exploiter mieux. Et puis il y en a pas autorisation, le ministère des Mines n'a pas autorisation, le ministère de l'Environnement va faire étude environnementale pour effectivement est-ce que mieux ça est capable d'exploiter. Et à NAP admet lui-même à travers le sac pour le bail entrer des lieux. Donc ces dispositions, ça nous prend et NAP travaille pour que réellement nous protéger l'environnement, pour nous arriver à 17% de notre territoire noir qui déclaré air protégé. Et à partir de ce moment, NAP a des possibilités pour nous dire que nous sommes capables de 17% de notre territoire d'ici 2020 qui en couverture végétale. Moi, j'ai accompagné le ministre de l'Environnement, M. Pierre-Simon-Georges. La presse, tout j'ai accompagné nous. Côté nous avons fait une visite dans mon hôpital. Nous avons constaté à quoi nous y nous, quantité de dégâts qu'on a fait. Mais, avec un peu d'étonnement, moi, ouais, c'est peut-être environ 2 à 3 carreaux de terre qui étaient dans mon hôpital. Tout espace que l'État interdit, nous y entrer sur eux. Bon, mur, n'est-ce pas, qui était comme barrière qui n'est pas qu'à traverser,
nous effectivement il y a des zones qui t'a fait et des zones ça là nous te garder c'était des autorités c'était des citoyens des monde qui ont gros moyens dans main nous qui réellement a fait des zones ça et nous tenait immédiatement sous bien et direction affaires juridiques ministère environnement qui te saisi des dossiers et actuellement dossier ça à l'étude au niveau du ministère de la direction de l'affaire juridique du ministère de l'environnement sous peu suite à fait avec dossier ça sur même l'hôpital et nous garantit ça nous vient pour nous faire l'accès quel que soit nous même cadre tout temps. Le ministère national des aires protégées, ANAP, le bureau de l'ONU, pour qu'on prenne décision pour lever l'interdiction, n'a arrêté et n'a traîné devant la justice. Donc son message, nous voulons tout le monde pour nous dire, faut, je dis, autorité l'État. L'éducatrice et éducateur d'Haïti décide pour te solidarité li ba youn affilié lio qui c'est regroupement des directeurs d'école nationale de l'Ouest. Nous pote solidarité en réponse avec attitude moun replacé dans le ministère de l'éducation nationale qui décide attaquer directeur l'école yo peut-être yo prend corps pour cantine scolaire. N'a pas rappelé que dans le contrat que la direction de l'école a signé avec le programme national cantine scolaire, dans la page 7.3.6, il demande pour le directeur de l'école de prendre cotisation chaque année pour payer cuisinière, acheter épices, acheter combustible, ça veut dire gaz, charbon ou bien bois, payer, acheter de l'eau, savon, détergent pour l'école là. C'est ça l'accord a dit. Tout parti monde. Je ne sais pas qui ça, directeur de l'école, a fait. Est-ce que lui-même tout, on ne peut pas acheter gaz ou bien charbon, acheter épices, acheter tout ça que directeur de l'école a fait? Le ministre a rencontré le directeur du lycée. Mais l'école nationale n'a pas pas connu si elle existait. Je demande au ministère de l'Éducation nationale. Pour qui ça ne pas passer dans l'école pour le problème directeur de l'école nationale à confronter, au lieu que c'est marché à marché pour la sixième année dans l'examen. Chaque année, si vous n'avez pas de livre, si vous n'avez pas qu'à étudier, vous n'avez pas de matériel, et les parents eux-mêmes, ils ont été qu'il est que l'école. Thank you.
dehors, je prie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel, que ton oreille. Il est temps que nous autres, hommes et femmes haïtiens, de travailler pour qu'il y ait vraiment un pays où il fait bon vivre, un pays où les rues sont toutes propres, un pays où il y a encore des hommes dignes, comme ces hommes courageux qui viennent de l'Asie, des hommes et des femmes qui se donnent totalement pour la justice, pour la liberté, pour la vérité. Sœurs et frères, à travers le départ de ses amis, nous ne devons pas passer notre temps à pleurer, mais plutôt à nous dire qu'est-ce que nous allons faire pour tenir le flambeau que ces hommes valeureux nous ont laissé, le flambeau de la dignité de la personne humaine, le flambeau de la justice, le flambeau de la paix. Demandons à Dieu. La première chose, c'est que Jésus, il a vécu la mort. Celui qui a été baptisé de la mort et la résurrection du Christ ne peut pas mourir totalement. Non. Eh bien, la mort ici-bas sera toujours pour lui un passage, une étape vers une autre vie, la vie avec Dieu. Très souvent, ici-bas, eh bien, nous n'avons pas de travailler pour le ciel. Et nous travaillons pour le ciel à chaque fois que nous cherchons à aimer le prochain. Nous travaillons pour le ciel à chaque fois que nous cherchons à aller à l'église pour entendre une parole. Sœurs et frères, demandons toutes ces grâces à travers ces funérailles. Que Dieu, dans sa toute puissance et dans sa miséricorde, reçoive les âmes de nos amis chez lui. Et qu'il nous donne, nous autres aussi, la capacité de préparer notre mort. Non, je ne veux pas dire notre mort, plutôt la force de préparer notre vie, la vie nouvelle qui nous attend auprès de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, en ce Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, Sainte de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur, notre mort, notre mort. Tant que travaux publics existaient, n'a pas accompagné. Yo, non, tout le monde qui a perdu la vie, c'est un mauvais comportement de la population qui croit que le canal est un lieu de décharge. Malgré tout ça, non, dit, malgré l'accompagnement de la presse, bah non, nous croyons jusqu'à présent que le canal est la vie de Fadra. Conséquence, nous avons perdu 4 meilleurs égouttiers qui étaient descendants dedans, car le canal est facilité l'écoutement de l'eau. Ils ont perdu la vie dans l'exercice fonction. Non seulement nous avons fait un terme, nous avons entendu accompagner les parents, les petits. Est-ce que vous avez des précisions sur le village et nous avons une réunion jeudi prochain avec la famille pour nous connaître toutes les informations, tout ça nous avons fait pour nous. Donc, réunion ça, nous faisons réunion depuis jour la mort, de temps en temps, et nous continuons à faire pour nous faciliter les petits. À l'école et je vais nommer Bayo meilleur accompagnement.